Matin, comment ça va? Est-ce qu'on peut dire gloire à, Jésus? gloire à Jésus? Merci encore une fois d'être là. Vous savez, je répète souvent la même chose, mais vraiment, je ne prends pas pour acquis votre présence. Nous ne prenons pas pour acquis votre présence. Merci. Euh, si vous, cette église est ton église, merci de faire du portail ton église, d'avancer ensemble. Si vous nous visitez, vous êtes nos invités d'honneur et merci de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. On est dans un mois vraiment important. Dans moins d'un mois, nous allons implanter notre troisième église à Saint-Eustache par la grâce de Dieu. Ouais, ouais. Et, et c'est bien de se préparer. Vous savez, on se prépare depuis un an. On prie, on organise. Et euh, dans un, le mois qui précède, les semaines qui précèdent, on veut se préparer dans la prière. Donc, merci de prier pour l'église de Saint-Eustache. Merci de prier également pour l'église de Laval qui doit se renouveler. Euh, également, on veut se préparer dans la parole de Dieu. Et on est dans une série, une courte série punchée de trois messages qui se nomment réels. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses invisibles. Elles sont tellement invisibles qu'on oublie qu'elles sont réelles. Par exemple, et on l'a vu dans la bande-annonce, la gravité. Euh, je suis convaincu qu'à chaque pas que tu fais, tu ne te poses pas la question est-ce que la gravité va fonctionner? Donc, la gravité est invisible, tu la prends pour acquis, mais ce n'est pas parce que tu ne la vois pas qu'elle est réelle, parce que si elle n'est pas là, bye bye. Oh, également, on peut, il y a des choses qui sont invisibles, comme l'oxygène. Alors que tu m'écoutes, il y a personne qui, à chaque moment, se dit, j'espère qu'il va y avoir assez d'air, j'espère qu'il va y avoir assez d'air. On n'est pas conscients de notre respiration. C'est un phénomène invisible, mais êtes-vous d'accord avec moi que c'est réel? Si tu ne me crois pas, on va aller te mettre dans une place, dans une salle où on va enlever l'oxygène, tu vas réaliser que c'est très réel. Le Wi-Fi est invisible, mais coupez-le à la maison, vos ados vont vous dire que c'est réel. Le temps, le temps, on ne le voit pas, c'est invisible, mais c'est réel. La preuve, il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis des années et c'est rare qu'on va leur dire, oh, comme tu as rajeuni, généralement, ta face démontre que le temps est réel. Maintenant, Dieu est invisible. La Bible nous dit que Dieu est esprit, Dieu est invisible. La Bible nous dit que la création témoigne de la perfection invisible de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. La Bible nous dit, on a vu ça dans le Colossi, que Dieu crée des choses visibles et invisibles. Jésus a dit que lorsqu'on met notre foi en lui, le Saint-Esprit vient en nous et l'œuvre de Dieu, c'est invisible. Le pardon est invisible, la liberté est invisible, la nouvelle naissance elle est invisible. On voit les conséquences, mais l'œuvre, elle est invisible. Êtes-vous d'accord avec moi, ce n'est pas parce que c'est pas visible, ce n'est pas parce que c'est invisible que c'est pas réel. Quels sont ceux qui croient que Jésus est réel Amen. Son œuvre dans nos vies est réelle. Donc, c'est important. C'est important. pourquoi l'apôtre Paul va dire nous ne regardons point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles. Alors que la maladie fait rage, alors que tu vieillis, alors que d'une manière visible tu sembles mourir, celui qui a son espérance en Jésus regarde à l'invisible et sait qu'il a la vie éternelle. Maintenant, Dieu est invisible, l'œuvre de Dieu est invisible, mais elle est réelle. Et c'est pourquoi les anges vont dire dans le 24, Jésus est réellement ressuscité. C'est pourquoi euh, Jésus va dire, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Vous savez, des chrétiens qui sont libres en théorie, quels sont ceux qui croient que la liberté en Jésus, elle est réelle? L'œuvre est réelle, ce n'est pas une théorie. La Bible nous dit que le combat spirituel est réel. Paul va dire également que lorsque l'Église se réunit, un incroyant peut rentrer et par la présence de Dieu, va dire, Dieu est réellement présent parmi vous. Donc, Dieu est invisible, mais il est réel. Son œuvre est invisible, mais elle est réelle. Et ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est différents éléments. Pendant le prochain mois, nous allons voir trois choses vraiment importantes qui démontrent que Dieu est réel. Vous savez, c'est Groschel qui va dire la chose suivante. Souvent, les chrétiens, nous sommes comme des athées. Tu vis, tu crois en Dieu, mais tu vis comme si Dieu n'existait pas réellement. Même la Bible va nous dire, une des traductions de Hébreu 11, le verset 1, c'est la foi, c'est la réalité des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien, celui qui a vraiment la foi, comment tu sais, il se comporte comme si Dieu est réellement à ses côtés. Quand tu fais ton rapport d'impôt, est-ce que Jésus est à côté de toi? Il est à côté de toi d'une manière ou d'une autre. Mais si tu avais une conscience que Dieu est réel, peut-être que ton rapport serait différent. Si tu avais une conscience que Jésus est réel, et lorsque tu écoutes la télévision, il est réellement à côté de toi, peut-être que tu n'écouterais pas les mêmes films. Peut-être que ton éthique sexuelle ne serait pas la même chose. Peut-être que si tu si avais la foi véritable et tu croyais que Dieu est réellement à tes côtés, peut-être que tu ne parlerais pas les autres de la même manière. Peut-être que tu ne dirais pas la même chose. Si tu avais une conscience que Dieu est réel, peut-être que tu prierais plus. Le matin, alors que tu mets le pied hors du lit, au lieu d'aller sur Facebook, tu verrais Jésus tu dis « Oh, je pense que je vais aller lire ma Bible. Pourquoi Parce que lorsqu'on a la foi, la différence entre quelqu'un qui a la foi et pas la foi, c'est que Dieu est réel dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un Amen, Alléluia, quelque chose Donc, trois choses spirituelles qui sont réelles qu'on oublie quotidiennement. Qu'on oublie quotidiennement et. Notre implantation de cette troisième église euh, nécessite de se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait les choses au portail. Cette implantation également nécessite que tu te rappelles. Pourquoi est-ce que Dieu t'a sauvé? Et je vais juste faire une parenthèse euh, avant d'enseigner mon sujet super important ce matin. Juste vous dire que cette semaine, vraiment, il y a une semaine d'enseignement euh, vraiment importante depuis plusieurs mois. Euh, même des années, des gens qui me demandent, Pasteur Guétan, quand est-ce que tu vas reparler de la fin des temps? Quand est-ce que tu vas reparler de l'Apocalypse? Quand est-ce que tu vas parler d'eschatologie? Ça a lieu cette semaine, ici même au portail, mardi 19 h. Donc, euh, soyez tôt. Vous savez, habituellement, on a à peu près trois quarts d'heure de louange-prière. Probablement que l'enseignement va commencer avant 19 h 30. Donc, soyez tôt. Pourquoi? Parce que je veux répondre à toutes vos questions. Donc, je vais enseigner qu'est-ce que la Bible enseigne sur la vie après la mort, c'est quoi les signes de la fin, comment est-ce qu'on peut comprendre l'Apocalypse. Et je veux vraiment avoir le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, on veut commencer assez tôt pour avoir terminé pour 21 heures. Donc, ça, c'est mardi. Bienvenue à tous. Et la semaine prochaine, je vais enseigner un message assez unique sur qu'est-ce que la Bible enseigne sur l'enfer. Parce que Dieu est réel, le salut est réel, mais de quoi Jésus nous sauve Parce que l'enfer est réel. Donc un message la semaine prochaine, mais ce matin, je veux simplement enseigner sur le fait que Dieu est réel. Dieu est réel. Et vous savez, j'aime enseigner des chapitres, j'aime enseigner des passages bibliques, j'aime décortiquer la Bible. Ce matin, j'ai et note ça à ton agenda, j'ai un verset. En fait, j'ai même pas un verset, j'ai un tiers de verset. En fait, j'ai même pas un tiers de verset. Mon texte biblique ce matin, c'est neuf mots. Ce matin, je prêche sur neuf mots. Et c'est un texte, un texte biblique qui est sur mon cœur depuis des années que Dieu me rappelle continuellement par son Saint-Esprit. Et ce texte se trouve dans Isaïe 42.8. Et Dieu dit la chose suivante. Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Dieu d'éternité dit la chose suivante. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je... Ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, dit l'Éternel des armées. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et la question que je te pose ce matin, est-ce que ton Dieu est trop petit? Est-ce que ça se pourrait que ton Dieu soit trop petit? Est-ce que ça se pourrait que la conception que tu as de Dieu fait du Dieu tout-puissant un petit dieu Vous savez cette semaine, j'ai fait quelque chose sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression de donner un coup de pied dans un nid de guêpes. Vous savez ce qui arrive lorsque tu frappes un nid de guêpe? Les guêpes sortent et te piquent. Et j'ai dit quelque chose de très controversé sur les réseaux sociaux, tellement je me suis réveillé samedi matin sur Twitter. Sur Facebook, ça roulait beaucoup, sur Twitter, j'avais environ une centaine de commentaires, beaucoup d'insultes. Et j'ai dit quelque chose qui a ébranlé ma sphère de virtuel. J'ai dit quelque chose de très dangereux. Est-ce que vous voulez savoir ce que j'ai dit J'ai dit Dieu existe et il y a des arguments rationnels qui le démontrent. Oh, aïe, 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 aïe. Il y a des, des athées en France, des mouvements d'athées qui se sont mis sur mon cas. Et je me suis fait beaucoup d'amis. Euh, et les gens étaient en colère, les gens ont commencé à m'insulter, à me discréditer. Puis moi, pour euh, calmer le tout, je leur ai posé la question. Comment ça se fait que les athées sont en colère envers un Dieu qui n'existe pas? Ça n'a pas aidé. Mais premièrement, avant de regarder à qui Dieu est, je veux juste déclarer quelque chose que souvent les croyants prennent pour acquis. Dieu existe réellement. Dieu existe, il est vivant. La première raison pourquoi je, je crois que Dieu existe, c'est que la science nous dit que il y a une cause à toute chose. Il y a une cause à toute chose. Jamais tu te promènes dans la forêt et un arbre ne va pas apparaître par magie. Ça n'existe pas. Tout ce que tu vois est causé par quelque chose. Et si tu regardes le mobilier, ben c'est causé par le bois, c'est causé par un arbre. Et on peut reculer comme ça. Tu regardes tes vêtements, on doit reculer. C'est causé quoi? Le coton et ainsi de suite. Donc, on retourne toujours à la matière première. Toi-même, tu es le produit de quelque chose. Il n'y a personne qui est apparu comme ça. Quelque part dans le temps, il y a un spermatozoïde qui a fécondé un ovule. Et toi, tu es arrivé. Et tes parents ont été causés par quelque chose d'autre. Bienvenue au cours de Biologie 101. Et les scientifiques nous disent que l'univers a été causé par le Big Bang. Et la question, c'est d'accord, si le Big Bang a tout causé, qui a causé le Big Bang? Donc, ça prend une cause qui est hors de la matière. Qui est hors du temps, qui est hors de l'espace et qui est infiniment puissante. appelle le comme tu voudras, appelle-la comme tu voudras. Pour moi, je l'appelle simplement Dieu. Je ne donnerai pas ma gloire à aucun autre. Et également, l'expérience nous démontre que tout est sur la terre pour une raison, tout est dans l'univers pour une raison. Encore une fois, si tu te promènes sur la rue et tout à coup, tu vois une boule en suspens, une boule lumineuse, et ton voisin te demande C'est quoi ça C'est quoi la raison de cette boule Tu dis Pas grave, il n'y a pas de raison, On continue. Maintenant, c'est ridicule. Prends cette boule et tu peux multiplier-la par des milliards de fois tu arrives à l'univers. Tout dans l'univers a une raison, une fonction, une raison d'être. Même les plus petits, même les maringouins ont une utilité sur cette terre. Dieu est grand. Des petites glandes, la, ta glande thyroïde, si on te l'enlève, je te garantis que tu vas réaliser qu'elle a une utilité. Tout dans l'univers a une fonction. Le soleil a une fonction. Et souvent, les gens vont dire oui, c'est correct, tout a une fonction sauf l'univers. La Bible dit que la fonction de l'univers, c'est de donner gloire à Dieu, c'est de refléter la gloire de Dieu. Donc, tout existe pour une raison précise dans le monde. Quelle est la raison de l'univers si Dieu n'existe pas? Troisièmement, quand je regarde à l'univers, il y a une harmonie, il y a de l'ordre. Puis, on va dire non, mais ça, c'est le fruit du hasard. Comment le chaos peut créer quelque chose d'ordonné? On voit un dessin intelligent derrière ça. Vous savez, dire que le monde est le fruit du hasard, c'est comme dire, c'est comme prendre un singe, lui donner un ordinateur, et le singe tape au hasard, et finalement, il va créer l'œuvre de Shakespeare. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule de dire que derrière ce monde bien orchestré, il n'y a pas un créateur intentionnel. Ce qui me fait dire que Dieu existe, un autre argument rationnel. Vous savez, on va dire, non, non, mais tout ça est le fruit de forces aléatoires, impersonnelles. Comment des forces naturelles aléatoires, impersonnelles peuvent créer des êtres humains personnels, conscients, sensibles et moraux? La réalité, c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et c'est intéressant, et ça, c'est une des grandes faiblesses de l'ésotérisme et des religions orientales, où on présente un genre de Dieu impersonnel, une force impersonnelle. Dieu est personnel, Dieu a une volonté, Dieu entre en relation. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, dit l'Éternel des armées. La dernière raison, c'est la raison qu'on peut appeler ontologique. C'est-à-dire, comment se fait-il que des êtres humains de tout temps, partout à travers la planète, comment ça se fait que des êtres humains finis, limités ont une conception d'un Dieu infini et illimité La réponse nous est donnée dans la Bible. Dieu a dit "J'ai il a mis l'éternité dans leur cœur, la pensée de l'éternité dans notre cœur. Donc, je vais juste dire simplement quelque chose qu'on prend pour acquis. Dieu existe. Dieu est vrai. Dieu est réel. Il est vivant. Est-ce que je peux qu en amène à ça? Mais ce n'est pas tout. Si ce Dieu existe, ce Dieu inaccessible, ce Dieu au-delà, hors du temps, de l'espace, de la matière, ce Dieu infiniment puissant. Si il existe, il est inaccessible. Comment des êtres humains comme nous, limités, finis, peuvent pouvons saisir un Dieu comme ça Et c'est pourquoi ce Dieu-là a décidé de se révéler. Et tu dis oui, mais comment savoir qui est ce Dieu Il a choisi de se révéler dans ce livre. C'est pourquoi on appelle ce livre la révélation spéciale. Dieu s'est spécialement révélé dans ce livre. Pourquoi Parce que ce Dieu personnel, relationnel, veut entrer en relation avec sa création. Et quelqu'un va dire, oui, mais pourquoi un livre? Dieu aurait pu nous envoyer un dessin, mais on n'aurait rien compris. Le moyen le plus fiable de se révéler, c'est par l'écrit. Dieu a fixé son message par écrit. Et si tu as une Bible dans ta main, tu devrais dire gloire à Dieu pour ta parole. Gloire à Dieu parce que tu te révèles à moi à travers de ta parole. Et c'est là que j'arrive à toi, chrétien. Quand je dis est-ce que ça se pourrait que ton Dieu soit trop petit? Parce que le problème numéro un des chrétiens, c'est que malheureusement, ils connaissent mal leur Dieu. Le Dieu qui dit Je ne donne ma gloire à aucun autre, malheureusement, tu le connais mal. Parce qu'on connaît mal notre Bible. Vous savez, tout le monde, toutes les religions disent que leur Dieu est le meilleur. Ce n'est pas suffisant de dire que Jésus est meilleur. Tu dois le connaître, tu dois le démontrer, tu dois le témoigner, tu dois l'expérimenter. Vous savez, cette semaine, j'ai décidé de faire de la lasagne. Et j'ai écrit sur Google, j'ai écrit, je faire une bonne recette de lasagne, j'ai écrit recette de la meilleure lasagne au monde. Rien de moins. J'ai été surpris qu'à peu près 17, 18 personnes croient avoir la meilleure lasagne au monde. Maintenant, tout le monde prétend avoir le meilleur Dieu besoin, si ce Dieu Tout-Puissant s'est révélé dans cette parole, tu devrais honorer, respirer, respecter, chérir cette parole et la lire et l'étudier, la méditer pour savoir qui est ce Dieu, qui est ton Dieu, ce Dieu qui dit, je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Qui est-il Vous savez, ta conception de Dieu est plus importante que ta conviction sur son existence. Les chrétiens, on est beaucoup, les chrétiens évangéliques, on est beaucoup dans la conviction. Oui, il y a une portion de la foi qui est conviction, convaincue, conviction, conviction. Mais on néglige beaucoup notre conception. Et dans la définition de la foi d'Hébreu 11, le verset 5, il y a deux éléments. Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'encore une fois, que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. On vient, on vient d'en parler. Mais ce n'est pas tout, mais qu'il récompense celui qui le cherche. Ta conception de Dieu est plus importante que ta conviction parce que ta foi est inutile si ton Dieu est trop fâché, trop en colère, trop indifférent ou trop aussi pour intervenir directement dans ta vie. Je veux déclarer que Dieu existe et qu'il intervient dans ma vie. Il intervient, il agit réellement dans nos vies. J'aimerais te présenter, te faire une synthèse, ce Dieu qui dit ⁇ Je ⁇ je donnerai ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Qui est ce Dieu de la Bible qui se révèle dans la Bible? Premièrement, afin que tu puisses réaliser que ton Dieu peut être trop petit. J'aimerais que par le Saint-Esprit, par la proclamation de la parole, que Dieu te donne une révélation de sa grandeur, de sa puissance, de qui il est, afin que tu puisses marcher différemment et de dire, réaliser que Dieu est réel dans ma vie. Ça commence par une juste conception. La première chose que tu dois réaliser, c'est que Dieu est incompréhensible. On ne peut pas saisir totalement Dieu. Ce qu'on connaît de Dieu, ce n'est qu'une portion de Dieu parce que Dieu est infini. Et saisir Dieu, c'est comme demander à une souris de maîtriser, de comprendre les lois de l'univers. Donc la première chose, tu dois comprendre les limites. Comment un cerveau fini, limité, peut saisir un Dieu infini, limité? C'est Matt Chandler qui va dire, comprendre Dieu, c'est comme aller à la pêche dans l'océan avec un fil de soie dentaire d'un pouce et penser pêcher des poissons. Une surestimation folle de tes capacités, de ton intelligence. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, quelqu'un a dit vouloir connaître Dieu, ça prend beaucoup d'humilité et c'est une belle dose d'insignifiance. Plus que tu regardes à Dieu, plus que tu te sens insignifiant. Plus que tu vois sa grandeur, plus que tu te sens petit. Le Dieu de la Bible est incompréhensible et, premièrement, il est un. Pourquoi je dis ça je vais en parler la semaine prochaine lorsqu'on va reparler de l'enfer, mais souvent les gens vont dire, oui, mais Dieu est saint, mais Dieu est amour. Il n'y a pas de Dieu est saint, mais amour. Il n'y a pas de mais en Dieu. Dieu est saint et amour. Il est 100% saint et 100% amour. Il n'y a pas, tu peux pas Dieu, tu ne peux pas décortiquer Dieu en partie. Dieu est un tout. Il est totalement tout ce qu'il est en même temps. Ça, c'est comme, moi, une des choses que, que je déteste, c'est lorsque je vais au garage, j'ai un problème sur ma voiture, il y a une petite pièce qui ne fonctionne pas, on me dit « Monsieur, pas grave, c'est une pièce qui coûte 9,99, parfait. » Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas changer juste la pièce, il faut changer tout le morceau, ça va vous coûter 800 ah, Tu as comme un, un petit problème, puis finalement, non, ça vient en, en, dans un tout. Maintenant, tu ne peux pas cibler des attributs de Dieu. D'ailleurs, vous remarquez, on parle d'attributs. Dieu n'a pas des caractéristiques, Dieu n'a pas des traits, Dieu n'a pas des qualités, des attributs. C'est-à-dire, tu ne peux pas disséquer Dieu. Si tu veux servir Dieu, Dieu vient dans un tout. Tu ne peux pas choisir ce qui fait ton affaire. Tu ne peux pas choisir la grâce et délaisser la justice. Tu ne peux pas choisir l'amour et délaisser la sainteté. Dieu est Dieu. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Le Dieu de la Bible est non seulement un, il est trinité, un Dieu existant éternellement en trois personnes. J'ai déjà parlé de la Trinité. Exemple, analogie. Ici, il y a trois portes pour entrer dans son sanctuaire, mais un Dieu, un lieu. La même chose. Nous prions le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit, un seul Dieu. Dieu est non seulement, il est un, il est Trinité, il est auto-existant. Dieu, il est sans cause. D'ailleurs, Dieu, lorsqu'il donne sa définition de qui il est à Moïse, il va dire la chose suivante. Je suis. Non, je suis. Game over. Je suis. Parce que ajouter quelque chose, c'est enlever quelque chose à Dieu. La meilleure définition que Dieu donne de lui-même, je suis. Je suis. Et je ne donnerai ma gloire à un autre. Dieu n'a pas de cause. Il existe éternellement. Il est autosuffisant. Vous savez, nous, on est toujours esclaves de nos besoins. On a besoin de plein de choses. Présentement, on a besoin de respirer, j'en ai parlé. On a besoin de boire, on a besoin de manger, on a besoin d'affection. On a plein de besoins continuellement. Dans notre humanité, on a toujours besoin de quelque chose. Je veux juste dire que Dieu a besoin de rien. Dieu a besoin de rien. Rien. Parce que si Dieu avait un besoin, c'est qu'il y avait un manquement. Le manquement, c'est une imperfection. Et s'il y a une imperfection, il a pas Dieu. Et Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu parce que Dieu est Dieu. Les gens me disent, Pasteur Guétan, c'est quoi ta meilleure définition de Dieu? La voici. Dieu est Dieu. Dans une catégorie à part. Dieu est Dieu. Dieu est tout-suffisant. N'a besoin de rien. Vous savez, je suis tanné d'entendre des gens, des chrétiens, même des fois des prédicateurs, présenter comme si Dieu avait besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de ton amour. Dieu n'a pas besoin de ta foi. Dieu n'a pas besoin de ta sainteté. Il n'a pas besoin de ton argent. Dieu est Dieu. Il est tout, tout suffisant. Tu dis, mais dans ce cas-là, pasteur Guetta, pourquoi créer, pourquoi mettre ma foi en Dieu? Pourquoi se servir? Pourquoi faire ça? Tu ne le fais pas parce que Dieu a besoin de toi, parce que toi, tu as besoin de Dieu. C'est un, une grâce, un privilège de pouvoir mettre ta foi en Dieu. Dieu est Dieu. Dieu, Dieu n'est pas un quêteur. On est là, puis même on dit, oui, faut adorer Dieu là, parce que Dieu est là, puis Dieu a euh, une faible estime de lui-même, puis il faut lui donner l'adoration. Dieu est Dieu. Il n a pas besoin de toi. C'est un privilège de le faire. Dieu n'a pas besoin de défenseur. Moi, à un moment donné, je défendais Dieu. J'ai cessé de défendre Dieu, que Dieu se défende lui-même. <laughs> Dieu n'a pas besoin d'avocat, il a besoin simplement de témoins. Dieu est tout-suffisant. Dieu, il est éternel. Pour nos amis peut-être qui viennent de donner leur vie à Jésus, là, je veux juste dire que Dieu n'est pas un vieux barbu. Vous savez, on a l'image souvent dans la culture populaire de Dieu qui est au ciel avec la, la toche blanche, la grande barbe et le bâton. Oh! Ça, ça nous vient de Daniel. Daniel nous dit Daniel 7, je vis l'ancien des jours. Puis on a pris ça comme un vieillard. C'est pour ça que ça dit. Ça dit que Dieu, quand on parle d'ancienneté, ça dit Dieu est éternel. C'est-à-dire qu'alors que l'univers a été créé, Dieu était là depuis, comme on dit en hébreu, depuis un bon bout de temps. Dieu est éternel. Dieu n'est pas un vieux bonhomme parce qu'il n'y a pas eu un jeune Dieu, il n'y a pas eu un Dieu ado avec des boutons glorieux. Il est éternel. Il a toujours été, il sera toujours. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Vous savez, on a de la difficulté souvent. J'en parlais aussi mardi avec notre conception de la vie après la mort. C'est qu'on est dans un. Dans un monde temporel. Donc, pour nous, on pense que Dieu, là, il suit l'histoire, puis Dieu est témoin de l'histoire. Puis là, il avance avec nous. Là. Oublie ça, là. Non, non, c'est pas de même, ça marche. L'histoire de l'humanité. OK? Trace une ligne, c'est ça. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Tu as la création, si tu as Jésus, à la croix. Toi, tu es là. Tu le retour de Jésus. Dieu est hors du temps. Puis même les bras sont limités. Dieu a des années-lumière. Pour lui, un jour est comme mille ans, mille ans est comme un jour. Dieu est éternel. Il est le Dieu d'éternité. Dieu est infini. Tu ne peux pas mesurer, tu ne peux pas peser, tu ne peux pas calculer Dieu. Vous savez, on ne sait pas, on n'est pas capable de, de, de calculer l'univers. Mais je veux juste dire la chose suivante. Même si on arrivait aux confins de l'univers, qui est immense et on ne peut même pas l'imaginer. Même si on arrivait au bout de l'univers, ce bout-là n'est même pas le commencement du petit orteil de qui Dieu est. Dieu est Dieu. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, dit-il. Il est infini. Il est immutable. Il ne change pas. Il dit Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne peux pas, Dieu ne peut pas s'améliorer. Si tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne va pas changer pour toi. Dieu ne va pas s'améliorer. Dieu ne peut pas s'empirer. Dieu est Dieu. Vous savez, moi, il y a des journées où mes proches savent que ce n'est pas une bonne journée pour me demander quelque chose. Comme on dit, je ne suis pas dans un bon mood. Tu sais, quand euh, tu es irritable, on 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 va attendre. Papa, on va attendre une bonne journée. Dieu, c'est toujours une bonne journée. En Jésus, il fait toujours grâce. Il a toujours bon accueil. Dieu ne baboune pas. Dieu est Dieu. Il ne change pas. Il est constamment parfait. Est-ce que je peux entendre amène en à ça? Dieu est omniscient. Dieu sait tout. Tout du passé, tout du présent, tout de l'avenir. Tout non seulement de ce qui va se passer, de ce qui aurait dû ou de ce qui aurait pu se passer. Dieu est Dieu! Je ne donnerai ma gloire à un autre! Je reviens du Sud et on joue aux volleyball. Et, euh, vous savez, lorsque le, le ballon est dans les airs, à un moment donné, t es, t es, t es, on juge la ligne, puis là, quelquefois, on va dire out. Donc, ça veut dire à tes coéquipiers, touche pas à la balle, touche pas au ballon, le ballon est out. Puis là, quelquefois, c'est comme, oh, c'est limite, c'est limite. Puis à chaque fois, là, on avait la discussion, est-ce que c'était out, c'était pas out? Puis il y avait un Français qui jouait avec nous et qui disait toujours, uh, on ne saura jamais. Ben Dieu le sait, lui. Dieu sait exactement ce qui est passé, ce qui est présent, ce qui est futur, ce qui va se passer. Dieu est Dieu, il sait tout. Dieu n'apprend rien. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas déçu. As-tu pensé à ça? Parce que la déception s'appuie sur des attentes non rencontrées. Tu dis, oui, mais j'ai péché, j'ai déçu Dieu. Dieu savait que tu étais pour pécher avant que tu aies péché. Dieu est Dieu. Je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Le Dieu de la Bible, c'est tout. Il n'apprend rien, il n'est jamais surpris. Tes proches peuvent être surpris. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu te voit aller et te dit Oh, je suis vraiment surpris. Ton Dieu est trop petit. Dieu est parfaitement sage. Dieu. Un plan parfait et l'accomplit de la meilleure manière. Dans ce monde de chaos, de mort, de crasse et de désastre et de souffrance et de mort, de maladie, Dieu accomplit son plan parfait. Souvent, on pose la question au collège biblique, Pasteur Guétin, pourquoi Dieu a permis la création de l'homme, pourquoi a permis la chute? Ou pourquoi Dieu a permis la création de l'homme, sachant d'avance qu'Adam était pour péché? Et moi, avec toutes mes années d'études, ma réponse est toujours, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi Dieu permet, dans ta vie, il y a des gens ici, tu as vécu des épreuves. Pourquoi Dieu permet, pourquoi, pourquoi, souvent on me pose la question, pourquoi, je ne sais pas. Je sais par contre que Dieu est parfaitement sage et parfaitement bon. Il sait ce qu'il fait. Et je ne comprends pas ce qu'il fait dans ce monde, alors que Dieu est en train de de restaurer ce monde briser la convie la conséquence de notre péché mais la conviction que j'ai c'est la promesse que je te fais parce que c'est une promesse biblique la Bible nous dit qu'un jour à tous ceux qui ont des pourquoi 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 Dieu pourquoi tu permets pourquoi si voici la garantie que je te donne lorsqu'on va se retrouver dans la présence de Dieu et que nous allons comprendre parfaitement nous allons faire ah Est parfaitement sale. Non, mais c'est ridicule. Tu penses mieux savoir que Dieu ce qu'il devrait faire. Tu peux te reposer. Dieu est en contrôle. Dieu est Dieu. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Dieu est omnipotent. Dieu il peut tout faire. Il fait tout puissamment, facilement et continuellement. Vous savez, moi, je peux faire des choses. Puis je peux faire certaines choses puissamment, mais pas facilement. Parce que mon oncle est fatigué. Dieu fait tout, la toute-puissance de Dieu. Vous savez, on pense souvent, on prie pour un miracle, et là on pense que Dieu est là, là, puis là, Dieu doit faire un miracle, puis là Dieu comme. Oh! Là, Dieu fait le miracle. Ça, non, Dieu n'a pas lever le petit doigt. Dieu est Dieu, il fait tout puissamment et facilement. C'est pas difficile pour... Dieu n'est jamais fatigué, il n'a semaine, il dans le gardien d'Israël. On peut avancer l'heure, Dieu, ça ne change rien pour lui. Dieu n'est jamais fatigué. Dieu a créé l'univers. Il a dit, la chose est arrivée. Zéro fatigue. Dieu est dans un, un présent permanent. Il est, Dieu est Dieu. Et ce Dieu-là dit, je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Ton Dieu est peut-être trop petit. Dieu est et plus que ça, il est transcendant. Ça veut dire quoi? La transcendance, c'est un terme théologique pour dire que les gens enseignés, souvent nous on voit Dieu comme dans les êtres évolués, là on part mettons, par exemple, la fourmi. On a les animaux, hommes, femmes, on a les anges, et là on va mettre Dieu là, au bout, là. Mais ça, c'est inexact. C'est donner à Dieu la prééminence. Dieu n'est pas le meilleur, Dieu n'est pas le suprême. Dieu est hors catégorie. Il est transcendant. Il est juste hors catégorie. Dieu est Dieu. Il est omniprésent. Vous savez, souvent on dit, Dieu est ici. Mais Dieu n'a jamais cessé d'être ici. Dieu est partout. Il y a des gens ici, peut-être que tu m'écoutes sur Internet, tu es tu ne crois pas que Dieu existe. Ça ne change rien au fait que Dieu est ton environnement. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu est tellement partout, c'est comme l'eau pour le poisson. Le poisson peut se promener, il y a de l'eau partout. Tu peux faire ce que tu veux, Dieu est partout, tout le temps. Tu n'es pas conscient, mais Dieu est là. Je termine là-dessus. Dieu est un Dieu de grâce. Je vais y revenir la semaine, la semaine prochaine, mais vous savez, imagine ce Dieu immense, gigantesque, ce Dieu transcendant, omniscient, omnipotent, omniprésent, ce Dieu immense, infini, illimité. Ce Dieu-là a choisi d'intervenir dans ta vie. Il a choisi de donner son Fils unique, de le donner pour toi, pour te sauver, pour t'éviter l'enfer éternel, pour être en relation avec toi, pour te donner le salut pour l'éternité. Ce Dieu-là. Est-ce que tu y réalises, c'est comme un roi, un, le roi le plus puissant de la terre, qui va dans son jardin, qui voit un ver de terre, qui prend le ver de terre, qui enlève la poussière, qui le nettoie puis qui lui dit Je t'adopte, tu vas devenir mon fils. Là, les gens qui sont insultés vont dire Pasteur Gaethan, wow wow, 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 Nous ne sommes pas des vers de terre, nous sommes des êtres humains avec une dignité. Ta dignité vient que tu as été créé à l'image de Dieu. Et la Bible nous dit que par notre péché, la Bible est même plus brutale que moi, tu n'étais même pas un verre de terre, tu es un brin de gazon. On n'y rien devant ce Dieu. Simplement que tu comprennes, lécart là, c'est même pas ce Dieu-là, il t'aime. Il t'aime. Il agit dans ta vie. Il prend soin de toi. Quelqu'un dit, Alléluia, Amen, acclamez le Seigneur, faites quelque chose, parce que ce Dieu-là est immense. Dieu de grâce. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ça, c'était seulement le jeu. Je continue avec le verset. Je ne donnerai pas ma gloire. Deuxième chose que je veux dire, Dieu est glorieux et dangereux. Dieu est glorieux et dangereux. Tu entends souvent que Dieu est glorieux, tu as entendu peu que Dieu est glorieux. Premièrement, tu dois comprendre, quand la Bible parle de la gloire, lorsqu'il dit, je ne donnerai pas ma gloire, le mot gloire dans la Bible est un concept théologique qui résume tout ce que Dieu est. Souvent, on voit la gloire comme une sorte de rayon lumineux. En fait, la gloire dans la Bible, ça résume tout ce que je viens de t'enseigner. Et beaucoup plus. Donc, le mot gloire, lorsque tu vois le mot gloire dans ta Bible, tu dois être plein de révérence, plein de respect, plein de repentance, parce qu'on ne niaise pas, parce que c'est de Dieu qu'on parle. Ça résume Dieu. C'est comme si je dirais Oh, moi, j'ai vu ma femme l'autre fois, puis wow Un mot qui communique beaucoup. Est-ce qu'on s'entend que dans le wow, il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans Des fois, je vois mes enfants, puis je ne dis pas wow, je dis Ouf Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans mon ouf il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le mot gloire. Et Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire, tout ce que je suis, mon honneur. Parce que littéralement, gloire en hébreu, c'est le poids. Pourquoi? OK. Le problème de plusieurs chrétiens, ton Dieu est trop petit et ton Dieu est trop léger. Tu peux balotter, tes problèmes balotent ton Dieu à droite et à gauche. Si tu connaissais ton Dieu, ce n'est pas tes problèmes qui balotteraient ton Dieu, c'est ton Dieu qui balotterait tes problèmes. Dieu est pesant. Vous savez, on voit souvent Dieu comme étant... C'est Dieu qui vient parmi nous. Quand Dieu descend quelque part, pour commencer, Dieu est plus pesant que ça. Voilà. Dieu a du poids, il y a quelque chose. De... Et la gloire est le concept principal de la Bible. En fait, la gloire régit l'univers. Quand je dis que c'est le concept principal, le mot que tu retrouves, probablement un des mots que tu retrouves le plus souvent dans la Bible pour désigner Dieu, c'est la gloire. Et on l'a oublié. Comme par exemple... Okay? la Bible nous dit de donner gloire à Dieu. Le Psaume 24, il est appelé Il est le roi de. Lorsque Isaïe a eu une vision, il a dit que la terre est remplie de ça. Sa... Lorsque Salomon a fait la dédicace du temple, là la... est descendue la gloire est descendue. Agir va parler de la gloire de cette deuxième maison. Jésus est la gloire du Père. Lorsque Jésus a commencé à faire son premier miracle au Noce de Cana, il a commencé, la Bible nous dit, il manifesta sa gloire. Et la Bible continuellement parle de gloire. Lorsque Lazare est mort et qu'on vient l'apprendre à Jésus, Jésus va dire, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la... Gloire. Lorsque Marthe va dire, Seigneur, tu peux pas réciter mon frère, on peut pas ouvrir la pierre, il est déjà dans le tombeau, il le sent déjà... Jésus va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras là la... Et le mot gloire revient continuellement. Lorsque Jésus va revenir, il va revenir dans la Éphésiens 1, nous avons été créés pour célébrer ça. Gloire. Romains 3, 23, par notre péché, nous sommes privés de la gloire. 2 Corinthiens nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. La Bible nous dit quoi? Que vous fassiez, faites tout pour la gloire, gloire. de Dieu. Philippiens 4, 19, mon Dieu à tous vos besoins avec gloire. Et je pourrais continuer, lorsque nous allons ressusciter, nous allons avoir un corps de gloire. Et la Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira et toute bouche confessera que Jésus est, la, est Seigneur à la Gloire, 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 gloire. Et Dieu dit Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu est grand. Dieu est glorieux. Mais Dieu est dangereux. C'est pourquoi le début de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Un des problèmes des chrétiens dans notre génération, c'est qu'on s'approche de Dieu avec. Légèreté. Vous savez, moi, je peux être devant vous avec des, des jeans, je suis habillé très, très, très modestement. On, est, on a un rituel au portail très, très simple, très, très ouvert, mais l'accent, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Mais à chaque fois qu'on s'approche, on devrait s'approcher avec révérence. Révérence et reconnaissance pour cette grâce dont nous bénéficions. Dieu est un Dieu dangereux. Vous savez, dans mes dévotions personnelles cette semaine, je lisais le Psaume 53 qui nous dit que Dieu est un feu dévorant, il est une tempête violente. Il y a des gens ici tu un petit Dieu ton problème c'est que ton Dieu est inoffensif. Dieu n'est pas inoffensif, Dieu n'est pas prévisible, Dieu n'est pas domesticable. Dieu est Dieu, il est glorieux et dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que par exemple, lorsque tu vois un ouragan, un ouragan c'est majestueux, c'est glorieux. Mais toute personne sensée sait qu'un ouragan c'est dangereux. Lorsque tu regardes et tu vois un feu, un, un, un feu immense, wow, mais tu sais que le feu est dangereux. Lorsque tu vois un lion, rawr, majestueux, mais tu sais que le lion est dangereux. Je veux juste dire comme on dit en hébreu, Dieu est pas safe. Dieu est pas safe. Tu ne peux pas mettre Dieu dans une petite boîte. Tu ne peux pas gérer Dieu. Dieu n'est pas ton petit, ton petit écureuil que tu as apprivoisé. Dieu est Dieu. Il est glorieux et dangereux. Et ça amène mon dernier point. Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dernier point tu es un voleur de gloire. Je suis un voleur de gloire. Nous sommes des voleurs de gloire. Et là moi j'anticipe, j'anticipe un peu lorsque je prêche que les gens disent puis là je suis sûr qu'il y a des gens qui disent ben voyons donc là. Ils exagère. Voyons, je suis pas prétentieux, je suis pas vaniteux, je suis pas orgueilleux. Mais non, tu es prêt à camoufler On n'est on est pas imbécile, on sait très bien que Dieu résiste aux orgueilleux. On ne va pas se vanter. On est des voleurs, mais on est capable de se camoufler sans que ça paraisse trop. La réalité, c'est que fondamentalement, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et même lorsque nous sommes réconciliés et quand Jésus, nous recevons tout ce que Dieu a pour nous, dans notre chair, nous continuons de chercher notre valorisation chez les autres. Alors on veut tellement être apprécié, tellement être reconnu, on veut tellement le crédit, on veut tellement le mérite. La preuve, cette semaine, on discutait, puis, une des choses que les gens veulent tellement, la, le mérite, le crédit d'être aimé. Est-ce que vous savez une des choses, quelle est la chose, selon moi, la plus dure au monde? Une des choses la plus dure au monde? Bon, une manière de parler, là. Il y a quelque chose que plusieurs personnes, la majorité des gens qui sont devant moi, vous avez de la difficulté avec ça. Dire non. C'est dur dire non. Moi, Dieu m'a appris à dire non. On n'aime pas dire non. Pourquoi? Parce qu'on veut tellement être aimé. On veut être apprécié. Puis il y a quelque chose dans, dans nous. Puis en fait, vous savez... Quand je dis qu'on vole la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'on cherche chez les autres ce que Dieu seul peut nous donner et ce qui revient à Dieu seul. Vous savez, c'est comme un peu, on n'est pas fou, on sait qu'on ne va pas voler le gâteau, fait qu'on vole des petits morceaux de gloire par-ci par-là. Il y a des gens qui sont devant moi et qui disent Non, Pasteur Gaétan, je ne suis pas comme ça. T'as du chocolat plein la bouche! Et comme les enfants, tu leur demandes, c'est-tu toi qui as mangé le morceau de chocolat? Non, 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 il y a du chocolat partout. Et dans notre cœur, nous sommes des voleurs de gloire. Et concrètement, il y a six manières, je trouve, qu'on qu nous volons la gloire à Dieu. La première manière, c'est lorsque je veux glorifier Jésus, mais je veux aussi recevoir un peu de gloire en glorifiant Jésus. Vous savez, on fait tout pour la gloire de Dieu, mais on, on essaie d'avoir les miettes de gloire. Vous savez, c'est comme, il y a un phénomène qu'on appelle. Je ne vais pas vous dire comment ça s'appelle, je vais vous présenter une photo. Vous allez le voir. Belle photo avec Ginou de Récréation Haïti, euh, deux sœurs de l'Église qui travaillent fort, Myriam et Linda. Mais regardez derrière les dames. Le fanfaron qui fait ça en arrière, le voleur de gloire. Et on peut enlever la photo. On est un peu comme ça. Souvent, même, on fait des choses pour Jésus, mais on trouve notre valorisation dans ce qu'on fait pour Jésus. Alors que toute la gloire revient à Dieu. Toute, toute, toute la gloire revient à Dieu. On ne peut pas se servir de glorifier Jésus pour nourrir quelque chose en dedans de nous. On devrait le faire de manière désintéressée. Plus facile à dire qu'à faire. Deuxièmement, on est des voleurs de gloire quand je suis jaloux de comment Dieu se sert des autres. Quand les autres font des bons couples, le Seigneur, on est comme, hallelujah. Tu es un peu jaloux. Pourquoi? Voyez-vous, c'est comme par exemple, lorsqu'on va dans un feu, dans un anniversaire, on, ma femme, elle me dit, « Ah, peux tu peux-tu me ramener un morceau de gâteau? » Puis là, on donne deux morceaux de gâteau, mais il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre. Avez-vous remarqué le combat spirituel quand tu retournes? Et là, tu es comme, tu veux garder le plus gros, mais tu sais que ça va paraître. Donc, ce que tu fais, tu donnes le plus gros, mais la mort dans l'âme, il t'intercède que ta femme dit, non, non, prends l'autre. Tu <laughs> sais, on est. Puis on est exactement là, ce qu'on jalouse les autres, c'est qu'on les jalouse parce qu'on a l'impression qu'ils ont plus gros morceau de gloire que nous. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que tout le gâteau revient à Dieu. Tout le gâteau revient à Dieu. Je suis un voleur de gloire quand je suis plus préoccupé de ma performance publique que de ma dévotion privée. Vous savez, les plus grands voleurs de gloire sont les pasteurs. Dites pas Amen. Les plus grands voleurs de gloire sont les pasteurs. Vous savez, ce matin, moi, je suis là, je parle de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Mais j'ai un beau rôle. Tu sais, la question, si, si j'étais un chrétien anonyme, est-ce que j'aurais la même dévotion c'est une question que tous les pasteurs doivent se poser, que tous les jeunes pasteurs doivent se poser, que tous les ouvriers qui m'entendent doivent se poser. À ton niveau, on sert Dieu. Est-ce qu'on sert Dieu pour les bonnes raisons? Des fois, on sert Dieu pour les mauvaises raisons. Vous savez, si j'allais euh, à l'ITF dans, dans une de mes classes, puis je disais OK, j'ai besoin de prédicateurs, j'ai besoin d'un prédicateur pour le portail dimanche matin prochain. Est-ce que j'ai des volontaires? Je te garantis que j'ai 50 volontaires qui sont prêts à prêcher devant une belle foule. Mais si je pose la question, j'ai besoin de gens, est-ce que j'ai j'étais volontaire pour une réunion de prière? Les 50 dynamis sont partis. Pourquoi? Parce qu'on met beaucoup d'accent sur le public. Malheur à moi toutes les fois que j'ai lu seulement la parole de Dieu pour avoir quelque chose à prêcher le dimanche. Malheur à moi toutes les fois que j'ai prié juste pour avoir quelque chose de la part de Dieu et non pas pour être en communion avec mon Père Céleste. Par sa grâce, de me libérer de ça. Mais il y a toujours des pièges. On est des. Fondamentalement, on est, vous savez, on est privé de la gloire de Dieu, on est accro, on est comme des junkies qui sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir leur dose de gloire, leur dose de reconnaissance. Et tu dois être conscient de ça et dire, Seigneur, que tu sois ma dose, que la gloire te revienne. Je suis un voleur de gloire quand j'ai plus peur des conséquences du péché que du péché lui-même. Je suis un voleur de gloire quand j'ai plus, plus peur de me faire pogner que de pécher. Ok, imagine la chose suivante. Supposons que Dieu te dise, pendant 24 heures, amnistie. Pendant 24 heures, tu peux commettre les péchés que tu veux, j'en tiens pas compte. Pendant 24 heures, tu peux faire ce que tu veux, personne ne le saura, tes proches ne le sauront pas, ton pasteur ne le saura pas. Ça reste entre toi et moi, je te donne un 24 heures, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux tromper ta femme, tu peux regarder la porno, tu peux frauder, tu peux te venger, tu peux frapper qui tu veux, tu peux boire ce que tu veux, fumer ce que tu veux, t'injecter ce que tu veux, manger ce que tu veux, tu peux dépenser, tu peux voler. Name it. Pendant 24 heures. Je pense pas qu'on irait dans les extrêmes, mais je pense que beaucoup de chrétiens n'auraient pas la même vie. Si ta vie, si Dieu te donnait cette occasion et que tes choix seraient différents que ceux que tu poses maintenant, ça démontre que nous sommes des voleurs de gloire. Je le vois avec des cas d'adultère. Souvent, dans les cas d'adultère, les gens sont plus affectés de s'être fait prendre et du dégât que ça cause dans leur foyer que du péché même. Puis il faut que tu sondes ton cœur, il faut que je sonde mon cœur. Souvent, on a plus peur des conséquences du péché que du péché. On est centré sur nous-mêmes. Nous sommes des voleurs de gloire. Je suis un voleur de gloire lorsque je vais être plus valorisé par les hommes que par Dieu. Ça joint un peu ce que je veux dire. Il y a des gens ici qui une double vie. Il y a des gens qui ont une double vie. Tu te reconnais. Au moment où je dis double vie, tu sais que c'est toi. Souvent, ce n'est pas immense, mais tu sais que tu n'es pas le même à l'église qu'à l'extérieur de l'église. Tu es un voleur de gloire. C'est hypocrite. Est-ce que je te dis, viens pas à l'Église? Non, je te dis juste que cette autre vie qui n'est pas ta vie, Jésus est ta vie, délaisse cette vie-là et reviens à Jésus. N'aie pas un cœur partagé. Finalement, je suis un voleur de gloire quand je veux que tout ait toujours rapport avec moi. Vous savez, tout a toujours rapport avec Jésus, ce n'est pas juste une devise ou un slogan. C'est l'antidote au voleur de gloire. Parce que par nature, à la base, lorsque notre équipe est arrivée avec cette. Après la prière, puis on est arrivé avec ce, ce slogan-là. C'est pas. Oui, c'était vraiment élevé Jésus, mais à la base, on réalisait que souvent, notre vie chrétienne tourne autour de nos besoins, de nous ce qu'on veut, moi, 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 moi. Et c'est pas pour ça que Jésus est venu nous sauver. Je ne veux pas te faire de peine, mais l'Église, là, c'est pas pour toi. La, la raison première de l'Église, ce n'est pas pour toi. La première raison, c'est pour le Dieu qui a dit Je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Deuxième chose, c'est l'éducation du corps de Christ. Troisièmement, l'évangélisation, mais le but premier de la louange, mon but premier dans la prédication ce matin, c'est pas que t'aimes le message. Le but premier, c'est pas de rencontrer tes besoins, le but premier, c'est de glorifier Dieu. Dans la louange, c'est la même chose. Donc, dans ta vie, réalise que tout ne tourne pas toujours autour de toi, surtout pas l'œuvre de Dieu. J'ai un bel exemple avec notre implantation, il y a des gens qui vont quitter pour aller à Saint-Eustache, il y a des gens que Dieu t'appelle à quitter, mais il y a des gens qui étaient ici, puis tu dis ben Mais moi, moi, je reste à Laval, puis c'est correct, là, il y a des gens qui s'en vont, puis ça ne me concerne pas. Oui, ça te concerne. Parce que ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Si ce Dieu est ton Dieu, tu devrais être préoccupé par l'œuvre de Dieu. Les gens qui vont dire Oui, mais pourquoi prier Pourquoi donner C'est Ces correct, on va en envoyer plusieurs là-bas, qu'est qu s'amusaient à Saint-Eustache, nous, on continue. Le Dieu créateur du ciel et de la terre nous a sauvés, il nous appelle à son service. Il a une mission pour nous. C'est pour la gloire de Dieu une cause qui nous dépasse. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi que l'évangile, c'est pas tes besoins, tes besoins, moi, moi, ma sécurité, mon confort, ça nous dépasse. C'est la gloire de Dieu premièrement. Est-ce que je peux entendre un vrai amen à ça? Amen. Je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Dieu t'aime, mais il ne donnera pas sa gloire. Dieu ne va pas compromettre sa gloire. Dieu veut que sa gloire rayonne à Laval, à Saint-Eustache, à Terrebonne. Il ne va pas donner sa gloire à aucun autre. Dieu veut être glorifié, puis Dieu va s'arranger pour être glorifié. Ça va être avec toi, sans toi, avec moi, sans moi, mais Dieu va finir par être glorifié. Et moi, je dis, ce grand Dieu-là, je veux en faire partie. Je veux lui donner gloire. Je veux vivre à sa gloire. Et savez-vous quoi? Je termine là-dessus pendant que l'équipe de louange vient me rejoindre. Les chrétiens, on est bons pour donner gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel! Dieu n'a rien à faire que tu lui donnes gloire le dimanche matin. Je ne vais pas vous choquer, là. Mais parlons sérieusement, là. Dieu n'en a rien à faire que tu lui donnes gloire. Le but. De la bonne nouvelle de Jésus, le but de la vie chrétienne. Ce pourquoi tu as été créé. Ce n'est pas tellement de donner gloire à Dieu. C'est beaucoup plus de t'abandonner au Dieu de gloire. C'est de le suivre sans compromis. Et je te pose la question dans cette série, dans ce message où réel, Dieu est réel, est-ce que tu vis réellement pour ce Dieu de gloire? Que vas-tu faire dès maintenant, ce matin? Que vas-tu faire de différent pour vivre plus réellement pour ce Dieu de gloire cette semaine? Que vas-tu faire pour que ce printemps, ta vie reflète plus la gloire de Dieu? Que vas-tu faire pour que dans la prochaine année, que dans ta maison, dans ton couple, si tu es marié, au travail, que tu vives réellement pour la gloire de Dieu, que Dieu soit le centre de ta vie? Que vas-tu faire? Parce que si ce Dieu-là est vivant, il existe. Il est tel que je te l'ai présenté, tel que la parole le révèle. Il mérite qu'on vive réellement pour lui. Je peux entendre un dernier amen à ça. Amen. Devant nous.